Et qui a créé la marque Yamaha? Allez, viens, on va voir ça ensemble. La marque Yamaha a été créée en 1889 par Torakusu Yamaha à Hamamatsu au Japon. Torakusu est un bricoleur et horloger de talent. La marque Yamaha n'a pas fabriqué des motos dès le début. Ils étaient spécialisés dans la fabrication d'instruments de musique et la réparation d'équipements médicaux. En 1897, la société s'agrandit et change de nom pour Nippon Gaki Seizo. L'entreprise continue de vendre des instruments de musique. Le 8 août 1916, Torakusu Yamaha, âgé de 64 ans, décède. La Seconde Guerre mondiale va mettre un coup d'arrêt à la production d'instruments de musique puisque l'entreprise va devoir fabriquer des hélices d'avion. Après la guerre, elle profite de la forte croissance économique pour se diversifier et travaille sur des univers très variés qui va de la machine à coudre à l'automobile. Après le succès de ses pianos et la parenthèse de la guerre, l'entreprise est rebaptisée Yamaha en 1955 en l'honneur de son fondateur. C'est aussi cette année qu'elle lance sa première motocyclette, l'YA1. Yamaha décida d'engager sa YA1 dans la prestigieuse et très populaire course de la côte du Mont Fuji, le 10 juillet 1955, afin de concurrencer Honda qui avait gagné les deux premières éditions. Le jour de la compétition, 49 motos de 16 constructeurs différents s'affrontaient, dans un contre-la-montre de 24 km pour 1400 mètres de dénivelé. Yamaha remporta la course et plaça même 7 de ses YA1 dans les 10 premières places. L'histoire était en marche. J'espère que j'aurai répondu à la question.